Julien. Alors, attends, je prépare mes objets. Alors, le qui suis-je ? Aujourd'hui, nous recevons Illiman. C'est le jeune garçon qu'il y a dans le public qui, a bonjour, là, qui a 11 Illiman. Ans. Lève-toi, tu peux Illiman, te lever. Bonjour. Regardez, il est là. Ce garçon fait quelque chose d'exceptionnel, évidemment, dans sa région. À travers trois indices, nous allons essayer de deviner, vous aussi à la maison, de quoi il s'agit. Alors allez-y. Premier indice, il a eu 11 ans il y a quelques jours, Illiman. Premier indice, oui, ce journal, regardez. La une de Normandie, c'est important ça, Jean-Loup. Hein, oui, de Coupe du Monde. Voilà, c'est le journal important d'ici, Paris-Normandie. Alors, Paris-Normandie, regardez ce qui a marqué, il rêve de Coupe du Monde dessus. Ah, oula. C'est ça, un ça boxeur. Et non. Non. C'est un quoi jeune, Illiman, hein. Non, est-ce qu'il a, il a qu'est-ce physique, qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Montrez-nous un deuxième élément. Je cache l'indice. Ouais, ouais. C'est la Coupe du Monde. Alors, c'est, la coupe. Quoi, c'est la Coupe du Monde. On la reconnaît. De quoi? À quoi il joue? Bah, ça, ce que vous avez dans les mains, non? À quoi j'ai quoi dans les mains? Oh, c'est le foot. Il joue au football, Illiman. On peut appeler ça un champion, je pense. Vous allez voir. Fais-moi une petite place, Illiman. Pardon, monsieur. Voilà, très bien. Alors, tout a commencé, il avait un an, Illiman. Un an seulement. Un an. Il s'est rendu au Sénégal chez son grand-père. Et là, il a commencé à dribbler avec tout ce qu'il trouvait dans la maison. Et là, son grand-père lui a dit, il faudrait peut-être qu'on lui achète un ballon. Et tout commence ici. C'est une véritable star sur Internet, parce que si vous allez sur Internet, vous tapez son nom, vous allez tomber sur ses vidéos. Sa spécialité, c'est... Illiman, quelle est ta Illiman, spécialité? Demande-lui. Le dribble. Je crois le que dribble. C'est. Il le dit, mais on va faire une démonstration tout à l'heure. Je pense que Laurent prendra on la contribution. Va le voir assez vite, oui. Qu'est-ce qui te plaît dans le foot? On va voir quelques images de toi d'ailleurs. Raconte-toi un petit peu. Donc, il joue au FC Rouen, bien sûr. Il est né ici et il joue depuis des années ici. C'est une graine de champion. Alors, c'est quoi ces images, Illiman? Tu nous dis un petit peu? Ou tu veux jouer directement? Non, il a envie de jouer, Il a envie de jouer. Oui, il était alors voilà, regardez le dribble là que vous voyez à l'écran. Il a été... Regardez ce alors, dribble. Alors ça, c'est un foot en salle, hein, c'est ça, Illiman? Oui. Il y a une différence entre le foot classique et le foot en salle? Ouais, c'est que le foot en salle, regardez on joue images, avec des chaussures normales, sans crampons. Ouais. Et sur le terrain, on joue avec des crampons, en dehors. Eh oui. D'accord. Il a été champion l'année dernière de foot en salle d'ailleurs. Mais c'est un grand champion. Il a 11 ans. Et vous allez voir, vous allez, parce que il vaut mieux le voir directement jouer. Laurent. Ouais, ouais. Vous voulez regarder avant d'essayer ou vous voulez essayer d'abord? Mais je vais essayer avant parce qu'il va mettre d'abord. Une tannée. Voilà. Vas-y. Tu le regardes et tu fais comme lui après, hein. Regarde bien comment je fais, Illiman, hein. T'es d'accord? Et après, tu me suis, hein. Ah, voilà. Pas mal. Voilà. Ça, c'est du dribble. Donc là, super. Bravo. Et là, maintenant, on va voir Illiman alors. Maintenant, Illiman, 11 ans, à toi. Alors Illiman, quand tu veux. On l'appelle le futur Zizou. C'est le futur Zizou, regardez. Hop là. Maradona, le petit Zidane, enfin vous mettez le qualificatif que vous voulez. Hop là, regardez cette figure. Hop, et ouais. Et il est de Rouen, voilà. Illiman a 11 ans, hein, on vous il le rappelle. Il a 11 ans. Caméra quand même. Il est formidable. Illiman, hein. Ce qu'il faut dire aussi surtout, c'est que c'est sa première télé. Alors rendez-vous dans, allez, on va te donner 10 ans, 15 ans, papa, on lui donne 10 ans. Ça sera sa première télé, ça sera dans Midi en France, voilà, c'est tout. Bravo Alain, bravo Illiman. C'est très impressionnant, hein, le petit Illiman, 11 ans. Si vous voulez en voir plus, regardez, il y a des démonstrations, vous tapez Illiman sur un site. Dans tous les grands voilà, sites voilà, vidéo vous tapez sur Internet et ça marche. Partage, oui, Laurent, le Pierre, père d'Illiman me confiait en coulisses tout à l'heure que lui-même était chorégraphe. Et je trouve que dans les premiers mouvements que tu faisais, il y a quelque chose de danser vraiment. Hein. Ou est-ce que le papa a dû passer par là, je pense. Ouais, ouais, absolument, c'est de la danse, regardez, il est formidable. Et puis là, on a vu vos œuvres comparées à celles de ce petit garçon. Ce matin, j'étais meilleur à la répète. Ouais, vous étiez ridicule là. Non, j'étais ridicule, mais bon...
Mais j'adorais ça aussi quand j'étais gamin, Jean-Loup. Oui, je me demandais à quel âge, par exemple, Amaury Vassili avait découvert pour lui la voix, à quel moment, parce que là, on a un champion aussitôt. De 11 ans. Pas aussitôt. Non, mais...